Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on tente un nouveau concept qui n'a jamais été fait par personne. Aujourd'hui on est des rappeurs. J'ai oublié les lunettes de soleil. Voilà. Aujourd'hui je vous explique le concept. On va faire croire à mes abonnés sur Instagram que j'ai fait un feat avec un rappeur connu. Donc comment on va faire? On va chercher un type beat. Un type beat c'est une instru qui ressemble à une instrumentale d'un rappeur. Par exemple si je veux me mettre en feat avec je sais pas Kobalade, Nino, on va taper type beat, Kobalade, Nino, ça va être des instrus qui vont ressembler. Mon but ça va être de faire un son avec cet instru et de laisser des trous. Et dans ces trous on va rajouter le rappeur en question. Donc comment faire? Ah bah j'ai leur numéro et on va les appeler tout de suite. Ouais Nino, ça va? Ah bah alors, tu fais quoi maintenant? Bah non, on va pas faire comme ça du coup. Ce qu'on va faire c'est que, il y a Louis qui m'a envoyé un site qui permet d'isoler la voix et l'instrumental. Dédicace à Louis qui nous a fait d'ailleurs l'instru de Perdu, le son qui est sorti sur Lockdown la semaine dernière, allez streamer ça. Je suis perdu, j'en ai pas l'air. Dans ma tête c'est la misère. Parfois je me dis je sais pas pourquoi j'insiste. Je vais tout arrêter, je m'en fous. Je sais pas du tout ce que vaut ce site, je lui fais entièrement confiance, donc si ça marche pas, c'est entièrement de sa faute. C'est bon pour vous? On va sur ce site qui s'appelle melody.ml. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va upload un son d'un rappeur, et ça va nous séparer la voix et l'instrumental. Ça, c'est ce qu'on fera en deuxième partie, une fois qu'on aura fait le son. Là, on va passer au son. Alors, est-ce que vous avez tous compris le concept? J'espère que oui, parce que maintenant, on passe à la création du son. Déjà, on va chercher un type beat d'un rappeur. Qu'est-ce qu'on peut chercher comme type beat? Ok vas-y je prends ça, c'est bon, j'écoute même pas la suite. C'est bon je prends ça. Donc là notre but ça va être d'écrire un son et de poser ma voix à des parties différentes mais pas sur tout le son pour laisser de la place du coup à Nino qui va poser avec moi. Et le but du coup ça va être de faire croire à mes abonnés que j'ai posé vraiment avec Nino. Une fois que le son sera entièrement fini, je vais envoyer le son à des abonnés. Je pense que je vais l'envoyer par message vocal pour que la qualité soit un tout petit peu moins bonne et que ce soit un peu moins cramé je pense. Donc là c'est un son avec une mélodie qui est quand même pas mal, du coup on va chantonner un petit truc avec l'autotune et ça va être très cool. Je sens que ça va être bien. Vous le sentez aussi vous ou pas? Vous le sentez hein? Je suis en fuite avec Nino. Ah ouais ouais. Je suis en fuite avec Nino. Mais mon gars tu crois que pour faire ça j'ai pas dû charbonner? Tu veux la preuve, tu l'auras. J'ai même plus la place de recompter tous mes billets. J'ai fait un premier couplet, j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de rajouter Nino ensuite, je vous fais déjà écouter ce que j'ai fait, c'est parti. Je suis en feat avec Nino, mais mon gars tu crois que pour faire ça j'ai pas du charbonnet. Tu veux la preuve, tu l'auras. J'ai même plus la place de recompter tous mes billets. Je vis la vie de rêve avec Annie. Dans 2 ans, je fais vivre toute ma famille. J'ai galéré charbonné pendant 7 ou 8 ans. Aujourd'hui bord de mer, j'ai la tranquillité. Voilà ce que ça donne, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour l'instant. On va essayer de trouver un couplet de Nino sur un de ces sons qui passerait bien avec cette musique. Le seul problème c'est que quand je vais faire écouter aux abonnés, s'ils connaissent déjà le son de base, c'est mort. Moi j'y crois. Donc là j'ai pensé à ce son là. Mon casette gros bonne. Si ça parle mais déjà investi. Si ça parle mais déjà investi. Donc là ce son là j'ai regardé, il passerait bien sur l'instru. C'est à peu près la même gamme, d'accord, etc. Donc ça passerait bien, il faudrait juste ralentir la voix. Donc on va essayer d'aller sur le site. Ok donc j'ai téléchargé la musique, on va tout de suite essayer de l'upload sur le site pour voir si ça marche. Et voir ce que vaut le site du coup, parce que si ça marche pas, bah c'est éclaté et ça va se voir. J'espère qu'on entendra pas trop l'instru derrière. Ok c'est bon, le site a fini le travail, donc on va télécharger tout de suite ça. Personnellement j'ai très peur que ça ait pas du tout marché et que ce soit dégueulasse. Mon nom de famille la police a du mal à les plaire. Des ballons. Ok ok. Alors c'est pas parfait, mais je pense que ça peut passer sur une autre instru. On va essayer tout de suite de le mettre. J'ai aucune autre solution, sinon mon concept est niqué. Bon du coup j'ai ralenti la voix de Nino et j'ai réussi à l'adapter au tempo du son que j'ai fait. Et ça donne ça du coup sans l'instru. Je suis en train de tourner. T'as pas de clavier en rap? Donc on va commencer tout de suite à niquer le clavier, c'est parti. Non, le clavier que je t'avais prêté il est mort. Lequel? Je suis en train de tourner, j'arrive pas. Ah mon père il m'embête. Tu tournes? Ferme la porte. Il est pas parti. Il est pas parti. Ouais, il est là. Bon, je disais, du coup, j'ai ralenti la voix de Nino pour l'adapter au tempo de la musique que j'ai faite. Et ça donne ça. Je suis en feat avec Nino, mais mon gars, tu crois que pour faire ça, j'ai pas du charbonnet. Tu veux la preuve, tu l'auras. J'ai même plus la place de recompter tous mes billets. Je vis la vie de rêve avec Annie. Dans 2 ans, je fais vivre toute ma famille. J'ai galéré charbonné pendant 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, bord de mer, j'ai la tranquillité. Mon nom de famille, la police a du mal à les plaire. Des ballons, clos, liasses colorées. Tout ça pour soulager mes fesses. Si j'ai mal, ça fera plaisir aux autres. Le compteur affiche de moteur faut qu'on rôde. J'aime mon cerveau de sang. Mon casier de Donc on a
fini, on va pas faire un son complet, on va juste faire deux couplets. Et on va envoyer un message vocal à des abonnés sur Instagram. On va voir s'ils captent ou pas que c'est faux. Moi je pense qu'ils vont capter tous. Là vous vous dites non, ça passera jamais et tout. Mais en vrai, en message vocal Insta, vu que la qualité baisse beaucoup, ça se trouve on va pas voir la différence. Donc à voir, franchement à voir. On va tester ça avec les abonnés et se foirer complètement. Allez c'est parti. Je vais mettre une story sur mon Instagram. Donc mon Instagram qui s'affiche ici sera aussi dans la description. Voilà, donc j'ai mis en story. Les amis, j'ai enfin eu un feat avec l'un de mes rappeurs préférés. C'est juste incroyable, le travail paye, croyez vraiment en vos rêves. Pour ceux qui veulent, contactez-moi, je vous fais écouter un petit extrait en DM. La story est préparée, je l'envoie tout de suite. Attention, c'est parti, story partagée. Wouh ! Alors, je vous explique, j'ai envoyé à tous ceux qui m'ont répondu en story l'extrait musical de mon feat avec Nino. J'ai pas encore regardé les réponses, je vous propose qu'on les regarde ensemble et qu'on réponde et qu'on s'amuse un peu et qu'on voit si les gens y croient ou pas. Il y a Lilian Sinoche qui a réagi, il a répondu à ma story, balance ça. Donc on écoute sa réaction tout de suite. What the fuck mec, j'arrive pas à savoir si c'est une vanne ou pas. Je suis mitigé. Si c'est vrai c'est stylé, si c'est faux c'est bien imité. Tu vois, il me croit pas, mais il y a un petit doute quand même. On va lui répondre. Ah non, non, mec, c'est pas une vanne. J'ai eu des contacts avec la maison de disques de Nino et ça s'est fait. Mais genre, j'ai what the fuck. Ils ont vu les sons qu'on a fait avec Loxy sur Lockdown. Ils l'ont contacté. J'ai reçu son couplet et tout. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Putain, je sais pas qu'est-ce que je lui ai raconté. Lilian Sinoche, j'adore ses vidéos sur Insta. Ensuite, on a Axel. Alors, Axel, je suis désolé. Alors, Axel, c'est celui qui a fait beaucoup de prod de mes sons. Alors, je lui ai envoyé le son et il a répondu ça. Waouh. Et j'ai pas les mots. Putain. Putain. Genre vraiment. Vraiment vraiment vraiment. Et moi je suis choqué frère là. Putain, je m'en veux trop Axel, désolé. Waouh, c'est dingue, faut croire en ses rêves. J'ai quand même un doute. Bah pourquoi t'as un doute gros? Mais non, t'as vraiment fait un feat avec Nino. Si c'est vraiment vrai, c'est incroyable, t'as percé. Cimer mon gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les gens ils vont me détester, ils vont voir la vidéo, ils vont m'insulter. MDR. Non c'est drôle, c'est presque un feat avec Nino. Pourquoi presque? Pourquoi presque un feat avec Nino? Y'a pas de presque? Mec, je te le dis tout de suite, c'est lourd de ouf. Et j'ai hâte que le son sorte. Vous avez fait le feat pendant le confinement ou avant le confinement? Enfin. Putain, mais c'est ouf! Y'a tellement de gens qui croient, c'est incroyable! Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un prank là ou c'est une blague parce que ça me paraît bizarre quand même. T'es pas genre rappeur professionnel, tu débutes dans le rap. Après, je dis pas que tu chantes mal, hein. Franchement, t'as un bon début. Tu te débrouilles pas mal, ça. C'est pas dégueulasse. Je me sens trop mal, je me sens vraiment un arnaqueur, ça m'énerve. Mais c'est drôle. C'est cool. On sent que je suis pas sereine dans ma voix parce que je sais vraiment pas si c'est réellement réel ou si c'est un troll. Merci beaucoup. C'était en mode je sais pas si c'est vrai ou je dois le féliciter ou si je dois l'insulter parce qu'il me mytho. Envoyez à Nino la vidéo à balle, hein. Comme ça il va voir et ça se trouve on va faire un vrai feat, qui sait. Ouais ma gueule. Oh, oh putain frérot, tu sais que je suis choqué là. Oh putain, oh mec, c'est méga lourd. Toi et Loxy, genre je vous écoute de ouf, genre vos musiques et tout là, BDM perdu. Ah merci. Et vraiment, oh, ton feat avec Nino, oh, je suis choqué, wesh. Oh, oh mais sors-nous, sors là, The Bee, wesh. Oh, pète sa mère, oh Damien, je te kiffe. Tu me gênes, je vais rougir. Merci beaucoup, mec, ça fait plaisir, putain. Je vais tous vous décevoir là quand je vais vous dire que c'est faux. Bon, en vrai, je te parle comme si t'étais mon pote, mais en vrai de vrai, je suis hyper content. Genre, je suis tout excité, genre vraiment. Je l'écoute en boucle là ton extrait, genre c'est tellement lourd, tellement, tellement lourd. T'as du trop, mec, t'as trop charbonné. Genre, je suis ultra content, genre vraiment. Quand ça va sortir, la vie max de pub, je les partage à mes potes, je leur dis ce qu'ils partagent leur story et tout. Genre vraiment, genre ultra lourd, mec. Bien joué, bien joué. Putain, ça. Ça fait trop mal au cœur en vrai, putain. Je sais pas si ça vous fait cet effet là aussi. Je sais que je mens et tout, et les gens ils sont fiers de moi pour rien. GG mec, t'as géré. Merci. C'est vraiment Nino qui chante avec toi. Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment lui ou pas. Bah pourquoi tu doutes de moi? J'ai pas l'habitude de faire des blagues. Mec, franchement, la musique est dark. Merci. Par contre, c'est vraiment Nino. Putain, mais tout le monde doute de moi! Non, en vrai, il y a 50% qui doutent et 50% qui y croient, qui disent ouais. La partie de Nino, c'est déjà dans un son. Attends, je vais te retrouver le son de Nino. Ep, 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 tu vas pas me douiller. C'est son couplet dans promo, le son avec Damso. Ah, il m'a cramé! Ouais, ta partie, elle est énervée de fou. Après, la partie de Nino, elle est un peu endormie, je trouve. Hein. Mais franchement, ça fait le taf. Hein. Lourd, lourd, lourd. Bah, merci beaucoup, mec. En gros, là, t'es en train de dire que je suis carrément plus fort que Nino, c'est ça? Attention, attendez à ce que je viens de dire là. Est-ce que je vais me faire insulter en commentaire là? Je dis pas du tout que je suis plus fort que Nino ou même pas du tout à son niveau ou quoi, hein. Là je fais juste ça pour m'amuser. Alors waouh 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 mec, tu fais un putain de feat avec Nino. Putain mais c'est énorme mec, je suis trop content pour toi. Waouh, ah ça fait mal au cœur à chaque fois, putain. Je suis un gros mytho. Là on part dans un groupe que j'avais créé quand je recherchais des gens pour m'aider dans des idées de vidéos. Du coup je leur ai envoyé direct l'extrait du son et on va voir s'ils y ont cru. Oh mec c'est ouf. What the fuck, mec? Putain, ça commence! C'est incroyable, mec, mais t'es un putain de génie. Non, mais là, il a même pas baisé le game. Il est incroyable. Il va nous pondre un feat avec Damso. On va bégayer, moi, je vous le dis. Putain, j'avoue, Damso, si tu me regardes, feat quand tu veux, ok? Non, je pense pas. J'ai trop hâte de voir le putain.
un clip qu'ils vont encore faire. En vrai, ça me met une pression. Il faut que je contacte Nino et que je fasse vraiment un feat avec lui là. T'es chaud qu'on fasse un feat. Bisous, mon gars. Bah, on attend qu'il réponde du coup. Les gars, vous vous rendez compte ou pas de ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de mentir à toute ma co. Je suis flou. Plus personne va me faire confiance après. C'est quoi ça? En vrai, je stresse là. Putain! Vous savez quoi? Je vais faire un live Instagram et je vais annoncer à tout le monde que c'était faux. Salut tout le monde. Bon, vous êtes pas prêts pour ce que je vous dis. Salut. Coucou. Alors, l'extrait que vous avez tous entendu, c'était une vidéo et c'était complètement faux. Putain, je m'en veux trop en vrai. Attends, je vais prendre quelqu'un d'autre. Venez, on l'unfollow pour ce mensonge. Non, je veux pas. Ça va? Oh Damien, tu fais ça, t'es sérieux? En gros, oh, j'étais excité, ouais. J'étais trop content. Putain, je suis désolé, moi aussi j'étais content. Putain, je suis désolé. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient ouf et tout en mode putain, mec, je suis trop fier de toi et tout. Mais j'étais trop mal à l'aise. J'étais en mode waouh. Frère, mais oh, c'est sous choc. Je peux faire la vidéo, moi. Si tu veux, je peux faire une dédicace du coup, si tu veux. Dédicace à mon ref, c'est juste là. Ouais. Vas-y, mon gars, bah bonne soirée. Unfollow, unfollow. Non. Me faites pas ça. C'était une petite blague. Bon, on vient d'annoncer à tout le monde que c'était évidemment faux. Je suis désolé encore une fois de vous avoir menti. C'était drôle quand même cette vidéo. Alors, si vous avez kiffé et que vous voulez revoir ce concept avec un autre rappeur, pourquoi pas, mettez un gros pouce bleu et mettez-moi en commentaire avec quel rappeur vous voulez que je fasse ça. Partagez la vidéo à fond à tout le monde et tout. Si vous voulez que je fasse un épisode 2, et le plus important, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment ce qui donne la force. Mettez la cloche, c'est important pour avoir toutes les notifications. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé ces vidéos, vraiment. Bisous tout le monde et à la prochaine. Allez. Je suis en fuite avec Nino, mais mon gars, tu crois que pour faire ça, j'ai pas dû charbonner. Tu veux la preuve, tu l'auras. J'ai même plus la place de recompter tous mes billets. Je vis la vie de rêve avec Annie. Dans 2 ans, je fais vivre toute ma famille. J'ai galéré, charbonné pendant 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, bord de mer, j'ai la tranquillité. Mon nom de famille, la police, a du mal à les plaire. Des ballons, des clos, liens scolos.